Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Boza, le bienvenu na GKM Télévision. Merci Nabino pour la fidélité. Merci na confiance Nabino. Chers téléspectateurs, fidèles abonnés, bino bayebo mesana kolanda émission Oyo Debout Congolais. Na tombeli bino boye malamu na katia émission Oyo bozalaki belé ya kolanda biso de partout bozalaka été bendele ya ekolo Congo et le à travers émission Oyo Debout Congolais na mungongo ya mwana mboka Samba Olonga bote na ngai papa Gérard Kabea pesaka biso opportunité à présenter émission Oyo na Etando ya GKM Télévision. Je sais que vous êtes nombreux, ba mususu bolanda kabiso na télé, ba mususu bozolanda biso na voiture, aux autres à la téléphone na yo. Merci vraiment d'avoir choisi cette fréquence, fréquence Oyo lobaka vérité, fréquence Oyo bozoaka, bozalaka na droit ya kozwa analyse pe décryptage ya information nyonso. Et les Kakanakati, la République démocratique du Congo. Je suis très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre à partir de la Namibie, communauté congolaise à Namibie, na Pesimino, ba bonjour Nabino, ba bonsoir, sauf que vous avez déjà na pourquoi, on ne sait pas les heures décalage, les anini, nous avons tous à partir du Maroc, vous à partir de l'Afrique du Sud, vous êtes en Tanzanie, vous êtes en Ouganda, vous allez na Gisenyi na Rwanda, des Congolais, vous m'avez écrit. Vraiment, on est ensemble partout où vous vous retrouvez, à travers le monde entier. Samba Olonga vous dit merci d'avoir choisi cette fréquence des éclairés. Awa, et à la plateau, yaba éclairé. Kasina lobaga lokwa mon mesano était justice, yanzambe, moto mon côté, a échappaka na contrôle nango. Ceux qui ont échappé à la justice, ya mukili. Ceux qui ont mis bengi ganki na mukili. Ceux qui ont pour lobby aux hypocrites na mukili. Ma beno sala ka muto mona kangote. Yo pe détourner à ba million. Yo moyibo yibaka ya muketo yibaka ya ebele. Yo mo bomi batu na nkuku. Yeba yango qu'il y a un regard qui te regarde. Tôt ou tard, nous finissons tous par payer les prix de nos actes. Ça mbela nanga na beta kana chaque émission. Place au Landakangaï, yeba déjà qu'on se recadre. Salakaka, malamu, tous les pèlerins sur cette terre des humains, parce que nos actes que nous posons, d'une manière ou d'une autre, nous finirons par les payer. L'actualité, c'est ces migrants. Ma révélation, ils allaient kobima, yaba migrants. Plan yamabe, Boris Johnson a tikaki en Angleterre. Ils ont cessé de kogangi sabatu, kokamu isamokili. Boris Johnson, nous avons un plan qui a dévoilé dans la lettre de l'ambassadeur du Royaume-Uni na Rwanda. A révélé à travers une note que le plan de l'ambassadeur qui était militaire, tous ces migrants-là, indésirables, les terroristes, wana, causé la contrainte une fois arrivé au Rwanda, ont en armée pour aller combattre dans des pays voisins. Et principalement la République démocratique du Congo. Vraiment, cette nouvelle est quoi qui nous a fait à bombe. Toko analyse en quoi tout yéba qui sont ces criminels là où basali qu'on continue qu'on s'obstiner na destin ya Congo. Bato basali qu'on continue qu'on canisa que makila ya ba congolais. Il faut continuer qu'on tanga pour servir business na bango. Nous allons revenir avec vif détail à travers analyse et décryptage. Conflit à l'est de la République démocratique du Congo, baba baya ba belge, les belges enfin, ba lang na bangwe s'est délié à travers les discours du roi, où ils ont prononcé à l'occasion de la fête nationale belge. Le roi s'est prononcé pour les Kamboya RDC, diplomatie à Félix Tokoye Koloba, au moins en parole déjà, que les bandits kobota ba fri nango, les rois de la Belgique, à Beleli, à Salimbela, Kosenga na communauté internationale à s'impliquer davantage pour une solution définitive à la crise de la République démocratique du Congo.
Tokolobela pe sujet wana le Sénat américain na lobaki yango mais a renforcé ici avec détail. Le Sénat américain reconnaît l'agression de la RDC par les Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23 et invite le secrétaire d'État au département des États-Unis à changer sa position sur cette crise. Bazali peko senga ke ba annulé toute aide militaire vis-à-vis du Rwanda, plus question de former les militaires rwandais oyo na compte des Nations Unies ba bénéficier kana formation na États-Unis d'Amérique. Nous n'allons pas nous arrêter là, l'actualité c'est aussi l'interview de Jean-Marc Kabounde sur la RFI, il a parlé de beaucoup de choses à répliquer par rapport il y a sortie médiatique naye Oyabimaki, il a été l'invité de RFI Toyoka qui va propos naye. Comment jugeons-nous les propos de Jean-Marc Kabounde? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Avenir ya mutuana ezali ndenge nini, même si son sujet ezali kokoma lokola distraction aux yeux des Congolais qui connaissent que l'avenir des Congolais doit se décider de manière sérieuse. Nous parlerons aussi de Jean-Marc Kabounde, Basijou Ezaïbele Lelo, Révélation, Franck Diongo, Asalaki Conférence de Presse Nayewa, puis Asalaki Ango, na Senko. Peut-on dire que Senko Ezali, Lelo, État-major, y a bas opposant, y a Félix Tshisekedi, que Lelo, tout le monde a dit que la siège, y a opposition congolaise. Wana pe na koyeba kolobelango tout au long ya émission oyo parenthèse na biso ezali le côté positif encore pona bato bayeba ke Félix Tshisekedi gratuité de l'enseignement zo futate to moni awa na conformité na ba engagement pris dans la dandoum au protocole d'accord de Bibwa issu de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'EPST et signé le 19 novembre 2021, Amboué la Lodge à Kisantou et sur instruction du chef de l'État, le gouvernement de la République a décidé de réajuster à hauteur de 67% la prime de gratuité accordée à 372 900 enseignants des écoles publiques primaires dès la paye du mois de juillet. C'est-à-dire ndenge balakaki bango ke ba augmenter prime ya gratuité pour na enseignant ba bakisi yango lisusu. Frank Diongo ye alobaki ke gratuité de l'enseignement ezali échec total. Folie, oubli ou bien diabolisation ezali sujet oyo tokosuki sanango encore une fois de plus na pesibino matondo mingi ndenge boponi voix oyo ya ba éclairé ndenge boponi plateau de bou congolais. Na bandi ko senga na bino bokota koti sa pe voisin soki na no sabonate abonnez-vous à la chaîne Jekam Television awa to partage ka lumière vérité ka ndenge bimaka na plateau yo po bisonyo so ba congolais to za la misu ya kofongwa ma bendele et continuer toujours côté lema bisonyo so na senga ka kina émission yo ya ba patriote to za la ka far de sena motema soki ya solo penda ozali congolais okozala far de sena motema la kisho za soda po na ekolo na yo okolinga bêtise et le cas au nom de toute la république. Voilà pourquoi toza biso nyonso sima ya mapinga na biso olingo soutenir émission Debout Congolais, c'est simple, le numéro en bas de l'écran ezali numéro oyoko contacter biso MPSA ezali wana. Bientôt vous aurez toutes les indications pour soutenir cette émission na ko éclairer opinion congolaise. Je commence par première actualité auto soisisa ki pona bino Royaume-Uni avec Boris Johnson parce que plan ou pena ne silité ba remplaça ya Boris Johnson to ebina noté qu'est-ce qui se mijote. Est-ce que après départ ya Boris Johnson to komona makambo clair ou bien les intentions sont toujours les mêmes, les intentions sanguinaires ya komona Congo lokola bilanga Congo ezamboka ya kotondisa bangulu basenzi nyonso yo bazaka na respecte na dignité ya bomoto Congo ekoma lokola esika wana. Sa di soki mutu alinga déplacer conflit na ye aluki bisika kobwaka ngwa monita alobi c'est à l'est du Congo où il faut envoyer ces aventuriers là pour kuna ezana ngo siège ya ba vol ba viol na ba massacre dans le monde entier.
Lorsque j'ai pensé à cette actualité, idée yelingai, il y a 2000 migrants, afghans, oyo, batindi kagi na Ouganda. La pensée m'est venue de savoir vraiment la politique qu'a menée l'Ouganda pour recevoir les migrants en Afghan, baya kokwe na na sol congolais. Moto a uta kuna musika na Afghanistan, Ouganda est à la terre d'accueil. C'est-à-dire ba capitaliste ou ba barbare ou ba batama na sima ba multinational na ba politicien na bango inventé dans la plupart na kati na bango ba cerveau na bango fonctionne kaka à terme des intérêts. C'est-à-dire pendant que biso toza ko lela wana Congo ba to bazo kufa mboke keyi etala boy, il y a des gens qui se réjouissent parce que leur compte en banque ezaka komata. Il y a des gens qui serrent politiquement pour que la politique, il y a ba multinationale, il y a ba famille bourgeoise, il y a États-Unis, il y a Europe, il y a Canada, ou bien Grande-Bretagne dans l'ensemble, va continuer à jouer à travers ba société na bango, ou yebi ki ba minere, il y a facilité, ils ont des na Congo, et si kawapi, ba Congolais baza na droite, il y a ko bénéficier, na oyo nature pesa bango, c'est-à-dire on zamba pesa bango loko la richesse. Tofongola peli sou na Ouganda tant toza ko lobali kambu ya ba migrants oyo ya Royaume-Uni. Les migrants envoyés au Rwanda depuis l'Angleterre de toute nationalité hein, sauf la nationalité congolaise balobaki sauf ba pays frontalier le la Congo selon ce qui avait dit le ministre des Affaires étrangères du Rwanda tant obaza ko sala lisolo na bango na Boris Johnson bango balobaki te ba migrants wana parmi bango bo tous ceux benga bango ba délinquants se sont déjà préparés parce que kolongwa ba longola yo même ceux qui ba lobi ba kozwa yo en charge ba longola yo na mboka lokwa Grande Bretagne yo kenda ki ebele ba kenda kan intention ba yebi ki la ba le pays stable ba ya yo na ba ya na yo na Rwanda un pays surpeuplé territoire na bango malgré baza moke 12 millions bazali na problème. Il y a surpeuplement, bisike zali ya kuwela. Mais baye ko tika bango kuna. Donc l'objectif de Boris Johnson ezala kite ke na Rwanda ndenge batya ngo ke non bazo pesa ka bango mbongo, on donne l'argent et Kagame veut profiter des intérêts na mbongo bazali ko pesa ye. Ça nous avons dénoncé avant. Il y a quelqu'un qui m'a même appelé pour me dire non, il ne faut pas dramatiser les choses. Les Rwandais visent des intérêts financiers. À Monique, derrière, bah, migrants, wana, l'Angleterre va commencer à donner les moyens. Et l'argent qu'on donne, kunango par rapport à individu moko, ils allent individu à bénéficier d'un bon wana nyon sauté. Et cet argent-là, les Rwandais va pourra canaliser ça, na organiser l'infrastructure, na makamoussous. Ce qui, au premier vu, ou bien au premier regard, il faut paraître nango vrai que les intérêts sur le plan financier, ils allient que quand on finance cet argent-là pour que Rwanda azala en mesure ya kozwa en charge bah réfugiés wana, c'est-à-dire bah créer bah logement, bah internet bango, bah bandi ko sala bango suivi, bah formation, bah orienté bango jusqu'à ce qu'ils deviendront et deviendront indépendants. Ça, c'est la facette officielle qui nous a été présentée. Mais au moins, les Congolais ont été prudents de dénoncer une telle procédure vis-à-vis d'un pays dirigé par quelqu'un au hasard ciblé comme criminel par rapport à Makamozo, les Calais du Congo. C'est-à-dire Boris Johnson a eu qui n'a eu sonité à cause de la procédure ou de manière officielle. Mais le rôle de la Congolais, le sang, les amis, les amis, les Congolais, les Congolais, parce que nous sommes beaucoup plus dans la prière que dans la logique de nos cerveaux. Pardon, oui, les parenthèses. Le sang, les amis, musulmans, chrétiens, tout ce que vous êtes là, si vous avez la foi en Dieu. Mais la prière devient aussi une distraction. Nous n'avons pas la prière parce qu'il nous a donné des fois des cerveaux pour les laisser un peu tranquilles. C'est que nous recourirons pas ensemble, mais lorsque les solutions dont on cherche ne sont pas à la disposition de nos cerveaux. Ce que comme nous le disons, on ne te recourirons pas ensemble. Mais si on a un cerveau, ils sont vifs,
ma solution que vous allez nous porter par yo na makanisina yo et que yo zo le lanzambe tongo pourquoi là ça devient aussi un handicap. Il faut vraiment réfléchir 100 fois au tala mutuna yo. Ça c'était une parenthèse et un conseil. Donc Boris Johnson dans son plan oye bombanaki ya fandela ki ango po bayebate tant gaga mu PPB ti ba activité ba activiste à droits humains. Na crise interne ya yemoko mboka na yene à l'interne kuna na Angleterre et sangani na ba mesure wana azwa ki impopulaire o oh, batunyo so baza ko mituna me muto abele liboma ou bien dengeni comment envoyer des migrants indésirables yo pays des droits o ke ndoko tinga ba migrants oyo dans un pays où l'homme est ciblé, il est dictateur, il ne veut pas de l'opposition, il ne respecte pas les droits de l'homme, il arrête injustement les journalistes de son pays, il misèle la presse internationale pour la Makamunaye, Azako corrompre presse pendant tous les règnes de Paul Kagame, il ne faisait que corrompre la presse pour baper sa image à Malamu et à Rwanda. C'est ce que les RFI France 24 ont fait. Le loso va comme qu'on changer va zola dans dingue cadence. Va comme qu'on luka ba équilibré parce que va sentir que pression est mati. Makamwezo kende lisu na tendance à kolinga ko bomba été, il faut exposer Kagame. Certains de ces bevis ceux qui bango, ba média na bango va zo continuer ko garder yango et couper sa bango crédité. Ça va éveiller susciter beaucoup de tensions. Yango ba comme pe na moi penchant ya ko analyser pe les côtés négatif du régime de Kigali. Mais dans la plupart du temps, bandeko ça la peinture moko o ezala ki injuste. Mais voilà que Boris Johnson part. To beti maboko to lobi muto ya kei. Et logo ya vandela kitango telemi na kiti, mbala moko bato ba rêvé ce qu'il avait caché en lui. Ça dit les Congolais avaient vraiment la vraie intuition même si l'information réelle nanou est sur qu'il a quitté. Mais les Congolais, intuition de Jésus, c'est que les Congolais sont dans le Rwanda. L'objectif, c'est au Congo. Il y a certains qui ont pensé que les Congolais sont vagues, sont fantasmes, sont bango de n'importe quoi. Aujourd'hui, bango moko na ba note na bango technique ba révélé ango. Le haut commissaire du Royaume-Uni a révélé ango na tribunal que selon ba note interne, ces migrants-là, oyo bazali kokende na Rwanda, objectif final les alliés qui bako kozala pe contraint bako ta na armée pour aller combattre dans des pays voisins, notamment principalement la République démocratique du Congo. Toza nata oyo nous Congolais nous devons savoir qu'il faut être éveillé dans ce sens-là parce que c'est le temps du Congo. Vous verrez que non, le Congo commence à prendre une place dans la scène internationale. Les crimes qu'on cachait, moi, et bon, on le souhaite. Il y a un chaque fois dans l'émission, amplifions davantage. La bonne chose au Félix Tshisekedi, le bon vent que Félix Tshisekedi a amené, c'est que la langue, c'est qu'on s'est délié. Les Congolais s'expriment à l'interne comme à l'externe. Nous avons aujourd'hui le droit, grâce à l'ouverture faite déjà par la diplomatie de Félix Tshisekedi, de créer des lobbies partout. De s'engager maintenant na makoganga makasi makelele le kebele pour que ces aventuriers ici ba criminels oyo ba continuer ko sala ngote. Donc yepo na ye a monagi ke la meilleure façon pour lui de servir ceux qui l'ont placé là parce qu'il est au service de ces multinationales là ba futa kayé. La fabrication à bas politiciens, usine à fabrication à bas politiciens en Occident, ils allaient correspondre à la loi à bas capitaliste sauvage. Ces multinationales, ces entreprises nous fabriquent des politiciens, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, en Afrique ou tout le monde. Ils imposent leurs dirigeants au basali pour respecter l'intérêt de la banque. Donc, nous devons comprendre cette logique, là, tout comprendre en haut, ce qui est opinion africaine Mobimba. Tous les Congolais, on comprend que les alliés importants, tout fongola misu na biso. La nationalité n'a pas de problème. Aux oies qui a nationalité anglaise, aux oies qui a nationalité belge, aux oies qui a nationalité française, américaine, mboka na yo etikali mboka na yo. La nation, la patrie, elle est sacrée. Moutou nyon soit liée d'une manière ou d'une autre. Les philosophies qu'on nous apprend,
ba théorie qu'on nous apprend, ba paradigme inventé par rapport au fonctionnement de l'État moderne, ils allaient fruit, il y a ba intérêt, il y a ba tout, na ba conception na bango. Mais la nation, elle reste sacrée, moutounion soit liée d'une manière ou d'une autre. Na eloko eza moutema na ye, source na ye. Ça, on ne peut pas détruire ça. Na bokendo kota na ba cour rebelle, na ba débat, ya géopolitique, na ba science politique, tout kota na makambo rebelle, awa, et ko zwa biso ngonga mingi. Donc, comprenons ici que, vraiment, Boris Johnson est étalé, il est mis à nu. Ces plans macabres-là qui fait que Londres est continué pour soutenir Kagame, ils allaient injuste. Bino ba Congolais à Londres. Félicitations, bino déjà bo ganga ki bo zaki e belé ya kobima. Mais faites-les davantage. Ne bénéficiez pas seulement du confort ya ba pays wana parce que vous êtes déjà bo côté na système. Système ango pe bo côté ango me boza ya kotenga ma mopanzi. Pour ba injustice ezakaka. Ba injustice. Parce que ba migration, ba to bo yaka koya. Bozaka ka problème pona bato mboka bato bokenda ko kota wana boza problème pona bango même si les certains ne peuvent pas le dire tout haut mais namba mité mezaka ko soa bato baya ko envahir biso ce sont des envahisseurs. Alors construisez chez vous, soutenez les changements chez vous, bosi botangi pe bosi bozui makambo bokenda ko luka na poto. Construisez chez vous, soutenez les changements chez vous, yango nembela to bele la kabino. Toujours dans le même ordre d'idées, le même ordre d'idées, tout côté na makambu est allé discours, il y a roi, il y a Belgique. Le roi belge a fait son discours à l'occasion, il y a fête nationale, il y a Belgique. Et à l'occasion, et ça le maquis le 21 juillet, ça lui marque le 21 juillet chaque année. Et à l'occasion, il en a profité pour parler du Congo, d'interpeller la conscience internationale pour s'impliquer davantage dans l'Ikambuya Congo. Certainement, nous ne pouvons pas prendre ça pour argent comptant. Naebi ke na mité ma ba Congolais, belé, oyo ba yebi ma kamba belge, ba salabiso ba Congolais. Ces discours-là, c'est un peu comme de la fumée. Ça passe aux yeux et ça passe à tes suites dans mon ami. Ça disparaît au moment où tu as trace dans mon côté. C'est vrai. Mais sur le plan étatique, c'est une avancée significative. Bato va aller autour de la démarche, tu sais que dit diplomatie dans les autres salariés. Non. C'est vrai que l'adversité, au but de te connaître, dans le cannabis, ce que nous avons connu comme injustice sur le plan international, la mauvaise orientation de l'indépendance à Congo, la relation à Congo na Belgique, et c'est forgé biso tous à la pessimiste vis-à-vis de la Belgique. Mais les relations entre les États, lorsque Moutouazali, homme d'État, a l'ongolagaba état d'âme na ba émotion, le président ne va pas agir selon les émotions et les sentiments des Congolais. Logique, on est à la cabane, lorsqu'on est homme d'État, on privilégie ce qui peut sauver l'État, le futur. Bah, qu'on sacrifie présentement, mais le futur, pour être à la malame. C'est dans cette logique-là que Félix Tshisekedi dit, mais qui peut bouger côté à Belgique, même si tu as vu que le gouvernement wana est tondi na ngona ba malfaiteur, le gouvernement belge, ils ont été remplis na bateau, basali na mauvaise foi. Des gens qui ont combattu le père de Félix Tshisekedi, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi, toute sa vie. Bato ba boyaki concrètement ba lobi niet. Nous ne pouvons plus accepter toko kondimate mutuana nationaliste à cause de son pouvoir na Congo. Mais sans leur aide, on a fini par avoir un Congolais de sang, de père et de mère. Ya rao bango ba boyaki accéder à pouvoir, c'était sans l'aide de la Belgique. Peu de Belges au baza peut-être la sensibilité vis-à-vis à Makamba Congo, mutu baza perspicace lorsque baza la analyse na bango, il y a situation à Congo, il y a situation à ba relation entre Belgique na Congo. Mais pour la plupart, mentalité na bango est forgée na ndenge batata na bango batike la bango, mentalité wana coloniale, mentalité wana paternaliste. Bon, ça, la nini et le débat qui s'ensuit.
Mais aujourd'hui, les rois de la Belgique, les dit tout haut, a eu position pour le Congo. Pour na kosenga que communauté internationale ta ekoki au s'impliquer davantage na dossier ya République démocratique du Congo pour na solution ezoama de manière définitive. Parce que nous n'ignorons pas tant que komi ko bima na ba discours to moni Patrick Muyaya a komi ko rejoindre ba congolais ba attaque tant que l'équipe trop to ekipe na munoko na biso azali na munoko na ye Azako dénoncer pour dire l'injustice de la communauté internationale. Deux poids, deux mesures. A. Les ministres congolais doivent savoir communiquer dans une situation comme celle-ci. Parce que ce n'est plus question de la diplomate. Non, quand on est à s'y fixer, il faut qu'on gagne. Diplomatie, les cacatrotes, il faut une communication aussi franc. Bien franche. Les autres qui s'appellent les Congolais. Ils en ont assez. Mais quand on a toujours des communications, face à l'agression, au lieu de dire tout haut, même de manière codée, mais au bimisi li kambo clair, l'injustice décriée par les Congolais est comme qu'on voit quand même, répercussion est comme qu'on salema. Il y a des gens qui prennent position pour les Congos. Le monde est dirigé et divisé sincèrement vis-à-vis de la question du Congo. Na kokota na histoire, te pas étant tozo ba Belgique tozo ta la côté to uta. Nous Congolais, nous n'aimons pas l'histoire. Ba Congolais ba linga banda ko betele li soloté. Nous vivons du présent pour un futur incertain. Aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, nous sommes obligés de recourir à l'histoire, de réfléchir, de penser sur l'avenir, de planifier. Pourquoi? Parce qu'il pense maintenant aujourd'hui au devenir de tout un pays. Tous les présents qui sont passés, ça n'a jamais existé. Ce qui rend la tâche difficile aujourd'hui, c'est commencer à s'organiser pour planifier l'avenir maintenant. Et ça, comme la Batumusu Moutou passe, on raisonne, on réfléchit. Limite ezako suka ka place kaka yo za kolela. Soko ozana nzala na yo makanti na yo suki ka na nzala na yo. Soko ozana besoin mutuka tout tourne autour de ce que toi tu veux. Mais pour les pays, chacun veut aller là où il veut. Le salut du pays est communautaire. Donc quand on parle ici de la Belgique, on voit ce qui s'est passé à la conférence de Berlin. Le Congo ezana ngo gâteau ya mutu nyonso. Et cette logique-là du départ, ils allaient qu'on continue qu'on l'endabie sauter les lots. Cette malédiction-là du départ. Aujourd'hui, je n'appellerai plus malédiction parce que Félix Tshisekedi a déjà béni le Congo en le confiant entre les mains de l'Éternel. Mais bateau yo, départ, nation oyo, c'est ça qui na création et état indépendant du Congo. Pensez na bango. Le Congo est une colonie internationale. Ils ont loko mutuna mutatik. Yangozo mon Angleterre, azo beta na yekoto yo. Les Allemands au moins, parce qu'il y a encore rien de concret. Ils ont aussi dit que bazako soutenir les kamwa souveraineté au Congo. Nous nous attachons à la souveraineté. Nambebo. Parce que nous voulons du concret. Il y a des amis qui m'écrivent, bozoye bisangai que tika ko pesa ba espoir que États-Unis a ko changé ma kamba Congo, Belgique. Je n'ai jamais dit ça sur mon plateau. L'avenir du Congo ne dépend pas des Américains. S'ils posent action, ils sont favorables pour nous. C'est pour leurs intérêts. Quant à nous et à nos enfants, nous devons apprendre à nous défendre. Apprendre à défendre les pays que Dieu nous a donnés, qui est une bénédiction. Mais le rôle est un citoyen vulnérable. Tous en ont un sens à responsabilité, tu as kolinga mboka na biso kolinga na biso ba congolais ko tika mutu na mutu ne sika na ye. Voilà pourquoi nous partageons dans la boue. Donc comprenons ici que le roi belge est déjà dans une bonne procédure, même si elle est encore verbale, mais c'est déjà une bonne sensibilisation, c'est un ton qui doivent rejoindre tous les membres de la communauté internationale au bazar censé compatir dans le Congo après tout ce que nous avons connu.
Tokoboma diplomatie, te faisons notre part. Et là, la diplomatie de Félix Tshisekedi donne vraiment ses fruits. Tolingi tomo nango bangonyo soba loba. Et après, nous allons exiger réparation. Je passe rapidement à la question d'Etali Makambuya, roi belge, Nakanisi Toleki.wana. Le Sénat américain aussi venait de reconnaître l'agression de la RDC par le Rwanda. J'en ai parlé hier. Les lots encore avec de grandes lignes au Ezali Kotambola pour la bateau, pour la presse, malam. Comprenons que ma parrain, na bête à chaque émission, bateau, ma fabricateur, y'a ba gorgère, na bateau, ba envahir Congo, ma kangi parenthèse wana. Mais les enfants mal éduqués ne peuvent plus changer parce que si ba éduqué ba ngondenge wana. Ils finissent toujours. Namabe, le Sénat américain va kangana bango misu na nyonso le grana est ya Congo. Mais awa, comme les Congolais, tout ça kolubana bango langage moko. Ils reconnaissent l'agression de la RDC par le Rwanda via les M23, guerre par procuration wana. Bango balobi baza ko reconnaître que Kagame azui ba Soudan na ye a pesi yango lisusu atindi bango na RDC sous couvert ya image à M23. Bato bandeko douta wata onaza kolobake na Luanda, il n'était pas question de ce que nous on voyait là. Il y avait des injonctions kuna. Jusqu'aujourd'hui Kagame s'entête toujours vis-à-vis ya bato ba memaki na pouvoir. Kagame veut dire non na batwana pour aller dans le sens opposé. À Luanda ba yebisaki yango clairement parce que c'est lui. Si les États-Unis baza kolobango ouvertement que Isali agression ya Congo na Rwanda, c'est Kagame, c'est ce qui lui a été dit à Luanda, zwa bana na yo, récupéré bana na yo, ba militaire na yo. Dans les jours qui viennent, est-ce nyonso ya Congo et qu'on a militarisé. Certaines choses ne sont pas à dire normalement en anticipant, mais ma douce et belle Kagame za ko konté nango. Pour nous qui crions, l'État za ko sala nini, sachez que avec Félix Tshisekedi, la vision qu'il a de notre armée, c'est du concret. Parce que bato bazo mona ozo salema, baza au moins fourmini na ben formation ba yebi que depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, ba bato asika ezali ko baksama ebele, ba structure et armée c'est koufa ezo telema, l'effectif militaire ezali ko baksama du jour le jour. Notre armée va déjà dans sa modernisation. Il y a déjà une vision établie. Oyo to komi ko landa procédure na ngone tozo kende na nettoyage eza na kati ya kosalema. Il y a un sérieux travail de fond qui se fait dans notre armée. Bato yo bazali concerné na traîtrise liée na système o balela kana Kagame, ils se sentent très mal à l'aise. Ils se sentent étouffés. Tso yo na no comprendre te que kopo wana se kufi il faut longwa. Ah, tso ko koyi na maboko ba Congolais na kanda bazana ngo baloba ono te Isali victime et bato ba Congolais baza côté le melanani. C'est vrai que ça soit au niveau international, que ça soit au niveau national ou régional, mitu ya bato ebele ici etengama na esali le makambo na système bon ba yebaki que est ya Congo ezala ngo jungle. Na jungle tout est permis o azama kasha leki muninga. Nyama oyo aliaka oyo oyo pa aliaka oyo oyo pa aliaka oyo les Congolais s'en ont mêlé et puis toyebi le loto zali. Vous voulez mettre ça dans la tête de qui? Balobi baza ko suspendre aide militaire nyonso ya Rwanda balobi bongo. Commission des affaires étrangères balobi sur les questions Italie makambu ya coopération militaire na Rwanda. Commission wana des affaires étrangères à lobby, niet, il faut qu'on kata. Couper toute relation militaire na bango. Ba militaire na bango to formaka. Na lobagiao, l'armée rwandaise est façonnée. Ba bunda guerre te. La guerre, ils ont ba agressa ka Congo, baza ko envahir ango. Guerre boye, l'armée rwandaise n'a jamais fait face à une guerre. Mais ce qu'ils comprennent au Congo, ils ali que, ba forja ki bango. L'Amérique, ba Grande-Bretagne bande ko soutenir Rwanda sur le plan budgétaire baza ko chelembongo ba lobi nyonso wana ba kata yango oh tango bazo kata yango na madusu Félix Tshisekedi azo kangaka parce que loko bazo wele la wezake Kagame pour lui
abandé comme on a fait lui c'est que dit mutumo ko aye azo garder les mabulu wana parce que lui vit de ça mais tant on a Congo bazo kanga madusu qu'on appelle l'icolo aide abandé ko peso parce que ça aide été yozo yibela kabango bango bazo zone sur en terme d'aide au te aider Rwanda bazo soutenir Rwanda militairement économiquement bazo chela yombo bongo bazo chela yo eza wapi kaba finga biso donc bato bazali ko fingisa biso ba nègre ce sont ces gens de mentalité aboyi donc oza na au service à bato même s'ils sont puissants mais tu n'as pas le temps de réfléchir Kagame maintenant devient un petit voyou qui ne sait plus là où il peut aller pourquoi parce que assa yebi ke basi ba forger ngai c'est vrai il y a des résistants il y a encore une mafia qui opère oyo bazali nanu ko bundana O bazo tinda Kagame a s'entêté. Au niveau ya États-Unis, bazali na Angleterre, bazali na ba pays, certains pays européens, ces réseaux-là de commissionnaires malfaiteurs, ils ont existé. Mais ce qui se fait déjà officiellement au nom des États, ils allient très important. Nous, Congolais, tout ce qu'on a oyoté le coup argent comptant, c'est que le Sénat américain dit et reconnaît par rapport au Rwanda. Ce que nous devons faire, c'est capitaliser sur ce qu'ils disent. Oyo bango, il faut baser comme décision, biso faut pousser bango bazo ango. Le monde est fait comme ça, c'est la puissance. La maturité d'un peuple pour s'accaper à se libérer. Ça dit nos revendications. Merci na bande koyo, bazako tambola na balabala. Bozali ko tambola ebele, bozo senga départ ya MONUSCO. C'est tout à fait légitime. En tout cas, après ce que l'ONU a fait au Congo, après tout ce qu'on a vu ici, avec les contingents les plus lourds de la planète, na kati ya mboka Congo, tout le monde a été loko basalité, les Congolais n'ont qu'à exiger ça. Le départ de l'ONU, c'est vraiment la meilleure façon de faire pression. Moutouaza, il faut la modérer, c'est le président de la République. Parce que lui n'est pas obligé de dire les choses en désordre. Par sagesse, il doit savoir modérer nos émotions. Mais nous, nous devons nous exprimer. Où que nous soyons, et le but est qu'il faut faire la marche contre l'ONU dans le Congo, il faut faire précisément dans le Congo ou bien dans l'Est. Non. Où que nous soyons, cette force négative-là doit nous laisser la place. Plus nous avons formé ma militaire, nous avons baptisé ça. Nous avons déjà commis ça. Oya Bango. Ils se sont déjà déclarés incapables. Tu as une stratégie que nous avons là. Bazozi la stratégie ba kota na Rwanda ou bien bazoli nga basala nini. Vous êtes braves bino bato bozo tambola kana balabala ba manifestation bozo sala Goma Bukavu. On est vraiment avec vous pour terminer ce point qui concerne makambu ya Sénat américain. Na kanisi ke biso ba congolais ndenge na utaki koloba capitalisons sur les efforts. C'est vrai, bah, tu m'sou déjà, bah, l'in, qu'on y a qu'à l'occidenté. N'a si n'a pas ça qui voit moro à on a l'objet, n'a l'objet que non, le Congo n'est pas le Mali. Le Congo n'est pas les autres pays. Le Congo, c'est un pays hautement stratégique. Boka, oh, et si l'issue de la deuxième guerre mondiale, matière première, et outaka à. Le Congo, c'est un pays à problème. Mouza, koufa, koué, l'ambang, mbang. Dans nos comités, dans nos organisations, ou créer une dynamique interne à Malongate, ou il est mort très tôt. Nous n'avons pas encore le temps de pousser Tshisekedi d'aller encore trop vite. C'est à nous de nous réveiller. Repensons l'éducation de nos enfants. Cessons de forger des vulnérables. Bah, citoyens congolais, oyo ba yebi ko défendre ben intérêt à patrie na bangote. C'est de là que parle le mal. Bisi kawalande mabeza ko utela. Donc biso ba congolais, c'est mutako ko yana ye azo sakana na bino, azo torturer bandeko na bino sur votre propre sol. Bo vandi bozo talaye. Un chinois vient torturer les congolais sur votre propre sol, bino bokayi maboko bozo talaye. Ça dit nous avons été mal éduqués. On n'a pas reçu l'information nécessaire dès le bas âge pour savoir défendre un très beau pays et si riche comme le Congo. C'est de là que parle le mal. La trahison entre nous Congolais, le manque d'unité. Et ça, bilogo ezo zangi sa ba Congolais mamwe bele, mais olingo longwa kaka wana, kaka obandi ko tambola lelo, tu veux sauter okoma puissant. Non, avant de beaucoup exiger, nous sommes obligés
de créer une dynamique interne solide, c'est-à-dire amour et patrie d'abord. Avant yo oser la quelque chose na Congo et pesa yo, yo salana nous quelque chose pour na mboka na yo. Tous ces pays aujourd'hui devenus puissants, ils ont une histoire. Il y a Passi, il y a Mawa et enfin des gloires. Si yo so zo kan zakenyon se ko ya ka bongo lokola tseke dia comme président de la République, automatiquement tout est permis. Automatiquement, nous sommes aux yeux. Non, faisons notre part. Notre part, c'est d'avoir des mentalités yassika. Ma mentalité, où est-ce qu'on répond à ma demande de tous les gens qui ont été. J'ai beaucoup parlé sur ce point. Je suis allé à la maison, point, il y a Jean-Marc Akabund. Tout le monde a une distraction, mais je suis Jean-Marc Akabund Malamu, c'est un homme responsable dans ce qu'il dit. Vraiment, il parle en bon français. Vraiment, il s'est bien exprimé sur le sujet. Il dit que démarche Oyo, ils ont initié contre Yé, na Kati Assemblée nationale, ils ont dit démarche Moko. Il y a panique. Ils ont paniqué par rapport à Makambo et Abimisaki. Et c'est ce qui fait que Baba Ndako s'embrouille bongo. Et rappelons aussi que ils ont une action d'initiative. Action moko disciplinaire, ils allaient initier contre l'honorable Jean-Marc Akabund. Il s'est justifié lui-même, Ndenge Bolandi a lobby que vraiment, s'il était exclu du parti, moyen à perdre mandat na ye, izati. Il n'a qu'à perdre mandat na ye, ce qui est moko a décidé qu'il faut quitter l'UDPS. Et il a quitté l'UDPS, il était franc sur certaines questions, où il a zali kolobela, makambu na ye. Mais là où il dit qu'il y a une démarche de panique, non, nous sommes dans un état de droit, on est obligé d'être exemplaire. Yé moko Jean-Marc Akabund tango batambwe mwamba et les autres babandaki ko minimiser le président de la République. Bandai ko sala outrage contre le président, la personne du président de la République. Jean-Marc Akabund a contesté. Là, il était avec le président, il trouvait que c'était mauvais. Mais tango yo zo lo babiluba loba na makambo etali président de la République ozo kanisa que pour na yo za libre, ça c'est étonnant. Je retiens encore ce qu'il a dit, des centaines de millions de dollars quittent le pays dans les jets privés et sont placés dans les paradis fiscaux de multinationales. Félix et ses amis sont très méchants. Comment peut-on détruire l'économie de son pays à ce point? Akanti boyokaki. C'est dommage. Des centaines de millions de dollars. Ils ont quitté le pays via Nini, le jet privé. Des centaines de millions de dollars en haut. Ils allaient avoir une réserve d'échange. Ils ont augmenté. Ou bien ils ont des centaines de millions de dollars. Ils ont des millions de dollars. Ils ont des millions de dollars. Ceux qui pillaient les millions n'ont pas eu le temps d'augmenter les réserves d'échange. Batolo ba piye ba million to moni ndenge ba bandai ko ramasango. Siko ba million ya dollars eza ko bima awa na Congo, ezo ke na budget privé. Eza o ezo matisa ba devise na bank ou bien eza o tozo zo akawana yangwana nde mutu tozo panzaka. On comprend ici que Jean-Marc Akabund est à la recherche des arguments. Il est maintenant dans la veste des kabilistes. Tout ce que les kabilistes se disent, c'est ce que Jean-Marc va répéter. Jouissance, 2 millions. Mais ah, ceux qui balouent pas l'andilayo, ils ont diffamation. Peux-tu nous dire clairement les millions qui quittent, ils ont quitté Zolonga, dans le secteur Nin, et qui dans un budget privé, parce que toi, tu es mieux informé. Normalement, le procureur général devait initier un procès et information à Ebisabisonanou. Comment ça s'est fait? Parce que tant que nous avons l'état de droit, Makambaboué, Moutalobik a dénoncé. C'est grave. Des centaines de millions de dollars. Biloba, loba, oyo, yango, nous avons quatre assemblées nationales. Avant, loba, le Kambo, Luka, ou ça, la preuve, ou réunir, ma preuve, n'y est suffisante. Jean-Marc Akabund, Abima, lobi, 7 millions de dollars pour l'organisation du congrès. Ma télé, mina, congrès, ma commune, tourna, 7 millions, yo, moné, la Kambo, wapi. Certainement, il avait dit vrai. Mais wapi ma preuve. Ce qui a solo zagi moutouna école, il a fait Etienne Tshisekedi. Donc, vous savez que tant que vous accusez moutou, il faut zala na ba preuve. Sinon, pas il commis diffamation.
Na kanisi tozana tan ebelete ya kolekisa wana, ce que je retiens encore plusieurs fois, il a appelé le président Félix Tshisekedi à l'ordre. Si vous avez rappelé le président de la République à l'ordre, c'est que vous avez dirigé. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur le sujet. Matoyi et les kakamototé. Même si on est amis, même si tu me connais mieux, mais ce qui est le kissi maïele, l'orgueil précède la chute. Nasukisi na élément oyo très important. Il y a positivité, il y a makamwa gratuité de l'enseignement. J'ai parlé de Franck Dion. Mais l'élément ici que je retiens, Zali, que c'est après qu'on se rend compte que Bisika Oyo Franck Dion a installé à Tshilaki quartier général Naye pour la conférence de presse et Zalaki de Bongo na Senko. Alors, tout ce que je veux dire, la Senko aujourd'hui, va transformer en Okaka, va Tonga, Salomongo et Mounene et Zalaki la siège à opposition. Comme ça, tous les acteurs politiques, bah, au Banda Koya, on a un Senko, ce qu'on a la déclaration contre Tshisekedi, à ça, il a un siège à Senko. Parce qu'on comprend maintenant que la vraie opposition, c'est l'Église catholique. Comme ça, et ça, les Maganango, na Katia siège à Senko, on connaît de moins officiellement que siège, il y a opposition congolaise, déjà, na Katia Senko. Mbongo peut te dire comment coller la nango kuna. Mbongo yuzo wuta epa katumbi et yoko kwe na senko. Et c'est là-bas que tout s'organise. Heureusement que nous sommes en démocratie. Félix Tshisekedi a zoti kabino. Franck Diongo nous a dit que la gratuité de l'enseignement a échoué. Gratuité de l'enseignement a échoué. Ba école et se multiplier. Ba bakiseli ba enseignant salaire. On vient encore d'augmenter prime. Il y a gratuité de l'enseignement, il y a enseignant. Enseignant, nous sommes école primaire et commis 67%. Tu sais que qui trouve un salaire précaire, il y a 160 000 francs. À possible, tu vas commis quand même jusqu'à 400 et quelques mille francs congolais. T'es positif, la haine aveugle, la corruption aveugle aussi. Si on commet tellement aveuglé dans la guerre injuste, que vous avez le cas de même mis sur le monde de la maman, ou que vous avez le cas de la sous-souté. 372 900 enseignants vont bénéficier de l'augmentation. Il y a prime ou il y a gratuité. Ce qui n'avait jamais été fait avant. Tout ça, on attend. Parce que vous avez le cas de vous allez le journaliste. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas journaliste, je suis un communicateur. Je fais ma communication. Je fais ça la journalisme, mais toujours ça la communication. Les médias sont en ligne, toujours ça. Non, vous avez un journaliste, il y a un président. Non, quand le président fait du bien, on parle. Il faut tout le bango. Quand c'est du bien, c'est du bien. Tout le monde est bien parce que c'est le président. Il y a un opposant. Quand c'est mal, c'est mal. Tant que mon entourage est président, il y a toujours ça l'aventure. On dénonce, on le dit que ça ne marche pas. Ce que vous avez dit, ce qui est président Salim Alam, le rôle de Monsieur Zarokou, Fabizonion, c'est tout à l'aveugle. Je pense que ça ne marchera pas. Nous continuerons à soutenir le bien, à dire la vérité telle qu'elle est brute. Ce que vous avez congolais, vous avez dit, vous avez dit, vous avez. L'essentiel pour nous, c'est de repenser l'éducation de nos enfants. Ce que c'est là qui est analyse, qui nous abonne à la chaîne OT, abonnez-vous à la chaîne. Surtout, partagez nos émissions, yokana voisin, même ceux qui ont été pélanaïté, yokaka kanaïe, un jour ou un autre, il finira par comprendre la bonne voie au mission soba congolais, sengeli, tolanda. Ceux qui peuvent aussi péliter, on reste tous congolais, et moi je soutiens que seuls les congolais de père et de mère peuvent dorénavant briguer les mandats de la présidente de la République, occuper ma poste et miner les clés. Il y a République démocratique du Congo. C'est dans l'unité et dans l'amour que nous allons construire notre très et cher beau pays. Vraiment, merci à l'équipe technique qui a accompagné Kinga Yandeko, Mbi et Achako pour cette émission Oyo et Koma na Itando na yo. Merci na bino nyonso bozo constituer réseau Mounene pour na kofongola émission Oyo debout congolais dans le Bakaka large partage. Merci Maman Lisette Mongbendou, merci Papa Jean-Louis Timbalanga, merci à vous tous dont je n'ai pas cité les noms. Tous ces héros dans l'ombre, vous avez la émission Oyo et continuez à rayonner, continuez à éveiller conscience à Bakongolais. Na pesibino matondo mingi, tomonani, na prochaine émission. Bye.